Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Crostiche. On va faire une humeur du jour. Nous sommes le samedi 22 septembre. Il est 6h du matin. Je ne dors plus depuis 4h du mat. C'est un truc de ma boule. Je n'arrive pas à dormir. On va dire que notre petite Lulu a fait un petit peu le bordel cette nuit. Elle n'a pas arrêté de miauler et c'est horrible quoi, franchement. Atroce. Alors, 22 septembre, nous sommes en automne. Moi, je croyais que l'automne c'était hier, mais en fait, l'automne, non, c'est aujourd'hui, c'est le 22 septembre. Automne, voilà, l'été est terminé et c'est pas plus mal. De toute façon, on n'a pas eu vraiment un été très, très, très folichon, j'ai envie de dire. J'espère qu'on aura quand même une plus belle arrière-saison. Enfin, je sais pas trop, on verra. On verra bien, voilà. Donc, je suis sur ma toile pour les fadas pour septembre. Il me reste 8 jours. Sachant que je ne fais pas tous les jours. Et oui, je suis un petit peu à la bourre, je trouve, pour ma toile là. Mais bon. Il me reste pas grand-chose à faire. Mais en fait, j'ai mal aux doigts. J'ai mes doigts qui sont tout abîmés à force de broder. C'est un peu compliqué en ce moment pour broder, justement, parce que j'ai mal au bout de mes doigts. Voilà. Ça que je fais un petit peu autre chose. Surtout le 14 CT. Le 11 CT encore ça va pour broder. Mais 14 CT, c'est vrai que un peu compliqué. Bon alors aujourd'hui, donc on est dimanche 22. Dimanche 22 septembre. Je crois pas le trou. C'est quoi ce bordel? Ça va pas du tout. Hein. Alors. Je sais pas où je suis. Alors je suis là, on est d'accord. Je suis là. Aïe. Mes doigts. On est d'accord. Et c'est celui-là que j'arrivais pas à rentrer dedans. Pourquoi? Ça y est. Ouais, donc aujourd'hui, je vais pas être présente du tout. Je vais chez mes parents manger à midi. J'arrive pas. Quand je vous dis que j'arrive pas à broder, en fait, j'arrive pas à tenir mes l'aiguille. Oh, j'ai trop mal au doigt. Voilà. Et on va manger donc chez mes parents aujourd'hui. On va faire mon anniversaire avec mes parents. C'est le 17, mais bon. Je vous dis, j'arrive pas du tout. C'est incroyable. J'arrive pas à faire comme je fais d'habitude. Pas grave. Donc oui, on va manger chez mes parents. J'ai ma fille qui va nous rejoindre pour le dessert, Amélie, et j'ai mon fils aîné aussi qui va passer chez mes parents parce qu'il va récupérer un fauteuil. C'est pas possible, j'arrive pas. Alors, en fait, j'arrive pas à tenir. Regardez-moi ça un peu comment je suis bouffée. Là, tous mes doigts. Là, j'ai mal. Là, j'ai mal. C'est horrible. Oui, donc j'ai Amélie qui va venir et j'ai Maxime aussi qui va venir chez mes parents cet après-midi. Donc du coup, j'aurai trois de mes enfants. J'aurai Gabriel, Amélie et Maxime. Il va me manquer comme d'habitude. Nicolas, qui est sur Lyon, hein, donc forcément. Pas venir une journée et puis bah, le petit dernier Emmanuel dont je n'ai plus de nouvelles depuis 1 an et 2 mois. On n'en parlera pas, on n'en parlera pas. Voilà, hop. Comment j'ai mal mes doigts, c'est affreux. En fait, j'arrive pas à broder, je vous assure, c'est horrible. Je pense qu'il faudrait que je reste quelques jours sans broder. En fait, je peux pas broder avec comment dire, un pansement ou un truc sur les doigts, j'arrive pas. J'ai essayé, j'arrive pas. Ça me saoule. J'ai l'impression que j'ai le pansement qui se prend dedans, enfin bref. C'est horrible. Broder avec un dé, c'est pas possible. J'arrive pas non plus. J'ai essayé. Non, je sais pas comment je pourrais broder.
Si je prends un, à moins que je prenne le, ça s'appelle. Comment ça s'appelle? Oh bah alors, un tambour. Peut-être que j'arriverai à broder avec un tambour. Mais je trouve pas le trou, c'est quoi ce bordel? Voilà. Ouais, peut-être. Peut-être essayer avec un tambour. Peut-être que j'arriverai mieux. Ce serait une autre façon de broder. Parce que là, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour moi. Je sens l'aiguille qui frôle mes doigts derrière. Ah, c'est horrible. Horrible, horrible. Oh, ça fait trop mal. Il me reste pas grand-chose à faire, hein. Il me reste en fait. Alors là, non, ça c'est fait. Il me reste ici, ici, ici. Il me reste là, là. Et il me reste toute la partie là, ici et ici, ici. Il me reste pas grand-chose. Un petit peu au niveau de la fleur aussi. Mais ouais, là ça fait mal. Et si j'essayais de mettre le tambour derrière, je vais essayer de mettre le tambour. Parce que tambour, je ferais comme ça. Et je pense que ça irait peut-être mieux avec le tambour. Le tambour est là. Oh, même de faire ça, ça frôle sur. Ça fait trop mal. Ouais, j'ai carrément tout retiré. Je voulais pas tout retirer. Alors. Oh, l'aiguille. Alors, où c'est que je voudrais mettre mon tambour? Pff, je fais n'importe quoi. Oh putain, je me suis trompée de truc. Oh, ça va pas. On est bien dimanche matin. Alors, mon aiguille. Oh, bah, c'est sauvé. Comme ça, c'est fait. Hop. Du fil et dans le tambour. Ok. On y va. Je suis en train de faire la couleur là. Donc je vais me mettre là. Est-ce que tu galères? Mais pas du tout. Qu'est-ce que c'est que je suis en train de faire? En fait, je vous explique, je vois pas bien ce que je fais parce que comme j'ai la loupe qui est là, d'accord, j'ai le téléphone qui est sur la loupe et du coup, j'arrive pas à bien positionner. Positionner mon tambour parce que je suis gênée par la loupe. Voilà, normalement c'est bon. Aïe, ça fait mal mes doigts. Voilà, on va essayer. Donc, du coup, j'avais mis l'aiguille là. Et où mon fil? Mais c'est vrai, comment je suis arrangée. Là, vous voyez l'arrière de la toile, c'est un peu le bordel. Hein. Bon, c'est pas grave. Alors, je suis là, je suis vers là. Je vois à peu près où je suis. Alors, je brode rarement avec un tambour, mais là, je pense que. Ben, finalement, ça va. Ben, voilà.
avec le tambour. Bon, ben voilà. Allez, c'est parti. Ça devrait aller. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien. Donc, moi, vous voyez, ça va. Juste, j'en ai marre de me lever, de me réveiller à 4 h du matin. Sachant que demain, je bosse toute la semaine, je travaille encore. Je pense qu'elle va sûrement changer mes horaires parce que j'ai une formation normalement prévue. Enfin, qui n'était pas prévue et qui, apparemment, je vais être en formation la semaine d'après. Et comme je travaille le week-end, je peux découper. Je peux pas faire vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Donc je pense que j'aurai des jours de repos dans la semaine si je fais cette formation. Mais ça, on verra. On en parlera autrement. Ah ouais, ça va. Avec le tambour, finalement, ça va. J'ai moins mal au doigt. J'ai pas mal à mon doigt, là, de la main. Parce que j'ai une main qui me tient le tambour et j'ai l'autre qui travaille. Ça va, ben voilà, j'ai trouvé, c'est parfait. Ben écoutez, moi je vous laisse là pour cette humeur du jour du dimanche 22 septembre. Je vais avancer tranquillou ma toile pour les fadas, hein, ma case du mois de janvier ce matin, encore pendant une bonne heure. Et après, eh ben, je sais pas, on verra si mon mari se réveille. De toute façon, on part vers 10 h 30. 10 h 30, 11 h, on se laisse encore un petit peu de temps pour faire 2-3 trucs. Allez, moi je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.